Hello les loulous. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu m'as invité à venir faire un tuto. Mais de pâtisserie, pas de pipeau. Mais tu m'as dit que tu voulais apprendre à jouer de la flûte. Alors Julien, en fait, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que... J'adore ta pâtisserie, je critiquerai jamais. Mais il te manque une petite touche... girly. Non mais ça veut pas dire pâte à sucre, hein. On va faire un joli gâteau. Ah. T'es prêt? Prêt. C'est parti, on y va. Pour réaliser la base de notre cake girly du printemps, il vous faut du sucre semoule, de l'arôme de jasmin, des œufs, du miel d'acacia, de la vanille en poudre, de la crème liquide entière, de la farine, de la levure chimique, de la fleur de sel et du beurre fondu. Dans la cuve de mon robot, je mélange le sucre, le miel et les œufs. Je bats quelques instants, j'ajoute les grains de vanille, puis la crème et je termine par la farine, la levure et le jasmin. Je beurre un moule à cake, je verse la pâte et j'enfourne pour 60 minutes à 160 degrés. Alors Julien, notre gâteau est en train de cuire au four. Il est au four pour une heure. Oui, oui, c'est ta recette de cake. Oui. Mmh. T'as fait la petite fente dessus? Ah, tout à fait. Voilà. Au bout de 20 minutes de cuisson, ouais. Une petite fente. Comme ça, il est bien gonflé. Fais pousser le cake. Très bien. Avec une belle bosse. Tu m'écoutes pas quand je te parle, Julien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Alors, en fait, ce qu'on va faire maintenant, et je veux pas que tu te braques, on va faire une ganache légèrement colorée en vert. Comme ma veste. Comme ta veste. À la pistache, donc? Absolument pas, au jasmin. Ah oui, d'accord, les feuilles du jasmin, c'est ce bien. Sera l'herbe sur notre petit gâteau. Un jardin. Tout à fait, c'est le printemps. Waouh. Tu veux bien me la monter, la ganache, Juju? Allez, c'est bien parce que c'est toi. Je vais te faire une belle ganache, bien montée. T'es chaud. Je mets ma ganache dans le robot et je la monte jusqu'à la bonne consistance. On n'oublie pas, pour la ganache, on retrouve tous les détails de la recette dans mon tuto rapido de la ganache montée ou dans le livre de Juju. Bon, alors je vais t'expliquer, monsieur, je déteste la pâte à sucre. Déjà, c'est pas de la pâte à sucre, c'est de la pâte d'amande. Donc je pourrais le manger. C'est ça, et c'est super bon. Tu prends ta pâte d'amande. Oui. Tu l'étales sur ton tapis silicone, mm-hmm. avec ton petit rouleau. Ok. D'accord? Tu emportes pièce avec tes petites fleurs. Ouais. Schlick. Et avec le petit colorant jaune, mm-hmm. qui n'a pas de goût, commence pas à râler. D'accord? Tu fais le centre de la fleur. J'ai rien dit. C'est bien. Ok. Ouais, c'est parti. Pour réaliser des petites fleurs girly, il vous faut... de la pâte d'amande, un petit rouleau spécial pâte à sucre, des emporte-pièces en forme de fleurs, un pinceau et du colorant jaune. On étale la pâte à sucre sur environ 2-3 mm d'épaisseur. On détaille les fleurs à l'aide des emporte-pièces. Puis, on colore le centre des fleurs au pinceau. Des petites fleurs, des lapins, des œufs, du gazon. J'ai un peu l'impression qu'on va faire du jardinage. Ouais. Eh bien, tu peux peut-être couper la tête du cake? Pour planter après les petites fleurs? Non, alors, tu sais ce qu'on va faire? Non. On va parer le dessus pour faire un peu comme une petite jardinière. Oui, c'est ce que je te dis. Couper oh, la tête va. Du cake. Et téter le cake. Alors, on va ététer le cake. Voilà. Je découpe le dessous de mon gâteau pour lui donner une forme rectangulaire et régulière. Je poche de la ganache pour imiter le gazon de mon petit jardin. Je finis en déposant mes petits décors en pâte d'amande et quelques petits décors de Pâques en chocolat. Mais bravo, bravo! Eh mais dis-moi, je ne savais pas que t'assurais comme ça à la flûte, c'est dingue! Ouais, je bricole, quoi. Attends, mais c'est du Mozart, quoi! C'est pas un peintre, lui? Ah, d'accord.
tu sais quoi, reste à la pâtisserie. Ouais, c'est mieux. Oui, ok. J'allais oublier, les loulous, pour vous abonner. C'est où, Julien? Et pour le déroulé de la recette, bisous les loulous. Ciao, ciao, à bientôt.